Ouais. Ouais. Ils sont complètement marteaux, ils sont comme ça. Ce sont les toons, les cartoons, ces personnages de dessin animé qui sont complètement farcis, mais farcis de la tête aux pieds. Et si vous suivez un petit peu les streams, bah, vous avez un poil remarqué, je me suis attardé sur un jeu en ce moment qui s'appelle Bendy and the Ink Machine. On s'est déjà tapé, si je ne me trompe pas, 5 streams, puisqu'on se fait un full run hein, sur le jeu. Donc surtout, ne vous le spoilez pas en regardant tous les streams. À la limite, le premier et le deuxième, je veux bien, mais après, vous allez vous spoiler le truc et ça va être complètement nul. Vous allez vous gâcher le jeu. Donc, si vous êtes là et que vous aviez l'intention de le faire, c'est un poil râpé, puisqu'on entame apparemment le dernier chapitre de l'aventure. Alors, pour les gens qui débarqueraient d'un autre univers ou d'une dimension parallèle, je rappelle tout simplement que Bendy, c'est un jeu d'exploration énigme. Où on vous lâche en fait dans des studios d'animation qui sont devenus totalement maudits. Et le tout est avec un rendu assez cartoon, en cel shading, qui est vraiment sympathique, puisque du coup il procure des sensations relativement malsaines dans un environnement qui est censé être youpi, yippie-ki-yay, des arcs-en-ciel partout, et tiens, touche la corne de ma licorne, quoi. Donc du coup, bah, on va retourner et espérer faire le dernier chapitre, il serait temps quand même. Hop! J'éteins ça, j'éteins ça, je lance ça, et comme un seul homme, nous voilà propulsés à l'intérieur de ce jeu. Pas si rassurant que ça. Alors, il est probable qu'on reparte un peu n'importe où. Il est vraiment probable qu'on reparte n'importe où puisque j'ai eu un crash machine tout à l'heure et du coup je sais pas où ça m'a sauvegardé. Parce qu'il y a une sauvegarde auto et je pense que je vais pas repartir super loin. Continuons, chapitre 4, on y est, yippie-ki-yay. Je vous laisse les commentaires pour éventuellement me trouver de nouvelles expressions parce que yippie-ki-yay, il faut que j'arrête de m'en servir, c'est nul. J'en conviens tout à fait. Alors Bendy, nous revoilà. Donc dans le précédent chapitre, on a essayé de s'en sortir avec Angel. Et donc, Angel m'a demandé de faire plein de trucs. Angel, c'est un personnage de dessin animé qui a mal tourné. Et du coup, bah, j'ai fait tous les trucs qu'elle m'a dit. Et pour me remercier, bah, elle n'a rien trouvé de mieux que de kidnapper mon binôme. Je m'étais fait un binôme qui n'est autre que bah, celui qu'on voit ici, hein, c'est-à-dire Boris. Et donc, bah, il faut que je retrouve mon ami Boris. Et je suis un petit peu triste. Alors, le principe, hein, vous le connaissez depuis. Énigme, exploration, exploration, énigme. Les archives, recherche et développement, on va aller aux archives. Definitely something missing here. Et il manque légèrement la manivelle. Alors j'entends les ventilos du PC qui soufflent, j'espère que ça va pas encore crasher parce que j'en ai un petit poil marre de collectionner les crash machines. Oula. Youpi! Apparemment, il y a de l'ambiance. Ambiance, ambiance. C'est pas grave, j'ai ma manivelle, je suis le plus heureux de la planète. Et j'entends le bruit des ventilos du PC qui monte, qui monte, qui monte, et je croise les fesses. Oui, c'est ma nouvelle manière pour ne pas lâcher le pad. Je croise les fesses pour pas que ça crache. Ce serait moche. Il nous libérera. Alors, trouvons le passage secret. Il doit y avoir un panneau dessus avec marqué en gros passage secret. Ne pas y aller.
Bibliothèque, Pelacar. Pelacar, bibliothèque. Toi, je te taperai bien dessus, mais je n'ai aucune arme. Alors, aucune de aucune, quoi. They told me I was perfect for the role. Absolutely perfect. Now Joey's going around saying things behind closed doors. I can always tell. Now he wants to meet again tomorrow. Says he has an opportunity for me. I'll hear him out. But if that smooth talker thinks he can double cross an angel and get away with it, well. Oh, he's got another thing coming. Alice? Ooh, she doesn't like liars. Apparemment, dans les studios, ils ont plus ou moins tous vrillé, quoi. Oui. Non. Non. Oui. Alors, tu veux que je trouve un passage secret, mais... Ah. So that's how it works. D'accord, on va trouver tous les bouquins. Ok, d'accord. Ok, doc. Oh putain. Oh putain. What? Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne comprends plus. Guy, on m'a cassé mes lunettes encore une fois. Un petit derge pour la route? Ouais, c'est ça, un petit derge pour la route. Alors, cherche bien, cherche comme il faut, fils, ne le rate point. Parce que c'est le gros défaut du jeu, c'est souvent on rate des trucs, on passe devant, parce que voilà, on passe devant et c'est pas foutu de manière flagrante pour y arriver, le voilà. Et dramatiquement, rien ne se passe. Et on est obligé de reparcourir le niveau dans tous les sens. À la recherche de ce qu'on a oublié. Entrer dans l'obscurité, pas si vite, mon ami. Et oui, on n'est pas dans ce film intergalactique dans lequel on te dit ne rentre pas trop vite dans l'obscurité. Film grandiose, s'il en est. Interstellar pour les gens sans culture. Et... Ok. Little cachotier. Hein. I can get across here if I can find a way to fix this. Fix the bridge. Alors oui, la traduction est assez mauvaise là-dessus. Je vous invite, si vous avez des facilités avec l'anglais, à laisser le jeu en anglais. Parce que parfois, les indices qui sont traduits à la traduction automatique. Et du coup, c'est pas super efficace pour vous aider. Au contraire, ça ne fait que rajouter confusion et... Même pas de chaos en plus, c'est nul. Du chaos sans confusion, c'est limité comme intérêt. Je ne sais pas ce que j'ai fait, mais ça a l'air super bien. Mais je vais quand même le faire. Et je vais sûrement le regretter. C'est ce que je disais, je me barre, je n'ai pas d'armes, j'ai rien, je suis dans la merde. Il n'attaque pas? Il n'attaque pas, il a un bubon dessus lui. Ouais, mais moi il me faudrait quelque chose pour lui taper sur la couenne, hein, sinon ça va pas être possible. Je vais retourner voir mon pont, des fois qu'il aille mieux, et qu'il me donne accès à une pioche, une pelle, un fusil, un lance-roquettes peut-être même. Il te faut un engrenage, mon ami. Alors les engrenages, ça va, il y en a pas mal, et je crois qu'on en a à l'entrée du niveau. Si je raconte pas tant de bêtises. Et oui, j'ai rien pour taper, je suis bien ennuyé quoi. J'avais vu des engrenages, il me semble. Bleu 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 bleu. Il me semble par là-bas. Salut,
Je cherche des engrenages. Tiens, ils sont tous partis là. Voilà qui est super rassurant. Bah du coup la scène est à moi. Mais je ne peux pas monter dessus. Oh, quelle honte. Que... Ah! Bon alors, cette histoire d'engrenage va sévèrement me courir puisque je ne vois pas mise en évidence avec une flèche clignotante dessus et des néons le mot engrenage qui me permettrait de me sortir de cette situation très gênante. Peut-être qu'il y a un truc à faire avec le gars là-bas. Mais j'ai pas très confiance. Vous me direz, qui peut avoir confiance dans ces circonstances? On va retourner le voir. Et puis on va essayer de manipuler, je sais pas, la manette, la manivelle, je n'en sais rien. Il n'y a pas un pet d'engrenage là, en tout cas, ça c'est certain. Et il ne me laissera pas faire tant que j'aurai pas trouvé. Ok, il n'y a rien à manipuler ici, non. Alors, comment tu vas? Tu vas bien? Fallait tout simplement prendre le truc sur lui. Qu'est-ce que je fais avec ça, moi? Bon, je sais pas, mais je vais quand même le faire. Donc, j'ai décroché un bout d'encre bien fraîche et gluante. Et je vais fabriquer un engrenage. Qu'est-ce qui va se passer? Tu veux pas, hein? Je me disais que ce serait pas si simple. Et ce serait très triste d'être coincé au démarrage du jeu. Haha! Oui, je suis perplexe. Je suis totalement perplexe parce que je mets de l'encre là-dedans et... Fallait régler ça. Ah, comment qui m'a eu? Mais comment je suis dégoûté. Oui, bah oui, ça amortit. Allez, retour, retour, allez, allez, retour. Oui, moi aussi, grue. Allez, hop, on y va. Donc c'est bien pour la durée du jeu, parce qu'un jeu qui se bouclerait en je sais pas combien de temps, bah il va se boucler en 3 fois plus de temps. Mais c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant dans le gameplay d'un jeu. Donc c'est un poil regrettable à la fois. Je veux un engrenage. Je l'ai. Et je le place. Et Igor bascule inexorablement la manette. C'était le petit coup de flip gratuit. Ça va super bien se passer. Alors ça, en langage technique, chez les gens pleins de maléfices, c'est ce qu'on appelle le couloir des ghillies. Vous avez plein de bras qui sortent des murs et qui vous font plein de guides. Oui, mais tu as l'air pas très gentil, toi. J'ai quand même une porte à gauche.
va peut-être dû me faire cette porte à gauche avant de monter comme un ouf. Oui, on va faire ça parce que je sens que ça va être. Dis donc, tu ne touches pas Boris, espèce de gars. Bon, c'était trop facile cette porte, ça ne se passera pas comme prévu. Ok, bon, bah je vais monter. Ma première idée était la bonne. Quand je serai tout en haut, on me dira, mais il était en bas le truc que tu devais récupérer, mon ami, enfin, que diable. Et là, je vous garantis que je ferai le saut de la foi, comme dirait le docteur Jones. Oula, ça rame. Ne rame pas comme ça, mon petit jeu. Alors, qu'est-ce qui se passe? On va avoir moyen de jouer à cache-cache, ce qui est plutôt adapté puisque je n'ai aucune arme, les amis. Hein. Je ne mettrai pas un seul de mes vinyles sur cette platine, c'est hors de question. Allez, everything gonna be alright, c'est ma phrase. Hein? Aucun ange ne nous libérera. Ça va les ancrer? Je suis un ami. Normalement, j'ai l'intonation qui fait qu'on me croit, quoi. Ça va? Ok, t'es pas méchant. Il n'y en a aucun qui est méchant parmi vous, de toute façon. On va s'entendre. Il est temps de croire. Il nous libérera. Aucun ange ne nous libérera. Alors, Angel, je rappelle que c'est le nom de la du personnage qui m'a fait faire plein de trucs juste avant. Donc, il y a un jeu de mots là-dessus. Et moi, je pense que je suis un des dessinateurs du studio. Donc, c'est moi le libérateur, c'est clair. Parce que Angèle, elle est méchante. Elle est foncièrement méchante. Salut. Tu passeras pas. Tu passeras pas, je te le dis. J'ai pas peur. Je vais aller là où c'est moins évident. C'est dommage parce que le gars, il aurait fracassé la grille, il me partirait aux fesses là-dedans, il y aurait moyen de me mettre la pression. Et j'ai l'impression que le jeu parfois passe un petit poil à côté des trucs rigolos qu'il aurait pu exploiter pour éviter un certain ennui quand même. Parce que les longues phases de déplacement sont vraiment longues parfois. C'est un cul-de-sac ou quoi? Alors, où qu'on est les amaches? Oui, ben sauver Boris, je veux bien, mais... Stockage 9... Monte et viens me voir. On va aller voir dans le stockage. Des fois que, aux joies, au bonheur, ce fameux lance-roquette dont je rêve depuis le début du jeu apparaisse. Désolé, non, pas le choix. On va aller la voir. Tu y es presque. Ça va super bien se passer.
attractions stagger the imagination. Colossal wonders, such as the world has never seen. I have earned my legacy with sweat. Right in front of everyone. High-level investors, Wall Street tycoons. The ever-tactless Joey Drew introduces me, the great Bertram Piedmont, as Bertie. Like I was his child. You may be paying me, Mr. Drew, but you don't own me. I'll build you a park. Bigger than anything you could ever possibly conceive. But before you go taking any bows, Mr. Drew, donc apparemment ça a vrillé. Pour de sombres histoires de pouvoir. Alors, si je m'occupais de ce levier plutôt que de tourner comme une bourrique. Niveau indice, c'est un peu léger là, les gars. Qu'est-ce que j'ai bien pu déclencher? Tu y es presque, machin, patin couffin, il n'y a rien qui a changé dans la disposition de l'endroit. Ah, s'ils avaient pu faire une touche de course un poil plus rapide. C'est le seul truc qui manque. Alors, j'ai mon placard, faut que j'y pense, on sait jamais. Les rêves deviennent réalité. Ah, stockage 9 s'ouvre. Bendyland, c'est devenu Bendyl. Ok. Bah, il y avait celui de Dante, hein. Donc celui de Bendy, ça dépareille même pas. Une petite sauvegarde, ça c'est sympa, ça veut dire que je vais avoir des gros soucis. Boris, t'es où Boris? Elle t'ennuie la dame? Boris. Je sens que je vais avoir un nouvel ami. Je sais pas pourquoi, mais je le sens bien. This haunted house seems like the way to go, but it's gonna need some power. Hey. I'm coming. Ich. Alors, il y a des câbles un peu de partout, c'est un peu le bordel, c'est beaucoup normal. Ok, on va quadriller cette salle de manière un poil méthodique. Alors, j'ai des inters, mais j'ai rien pour les activer. J'ai une manette, mais je ne peux pas m'en servir. J'ai beaucoup de tristesse en moi. Mais je ne désespère pas pour autant. Petit pas. Fermé de chez fermé. Petit pas. Rien de particulier. Elle est un petit peu coincée. Hop. Qu'est-ce qu'il va me falloir trouver ici, les gars? Je pense que j'ai pas encore déclenché le script qui va me faire une sale blague.
Alors, il y a lui qui est perché là-haut. Qu'est-ce que je pourrais lui faire comme misère? Je suis le câble, hein, tout bêtement. Et le câble m'amène ici. Et il me laisse dans le désarroi le plus total. Chercher l'entrepôt. Mais je suis dedans, mon ami, ton entrepôt. C'est juste que... sûr qu'il faut rejouer. Ah, mais il me remet le petit bonhomme au début. Alors, je vais vous donner un indice. Si vous jouez sur PC, oubliez le pad. Passer à la souris. Parce que pour viser, c'est un peu galère. Putain, il est chiant du coup ce truc. Qu'est-ce que j'ai eu? Ça a changé. Est-ce que ce serait assez satisfaisant? Il y a trichage. Il y a trichage complet. Ces balles sont truquées. Allez, fort, hein. Quelle bande de charlatans. Non! Je suis pas trop bon au jeu de trucs. Ok, en fait, faut tirer la balle quand elle est en bas. C'est surtout ça le truc. Alors. C'est parti. Non. Je l'aurai, je l'aurai. Je ne sais pas si ça sert à quelque chose, mais je l'aurai quand même. Non. Bon, ça a fait quand même un petit bruit. On va s'en contenter. Mais vu que j'ai ma fierté, je vais quand même faire mon méga shot. Peut-être pas aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que ça a fait? Parce que moi, c'est, je veux bien passer l'après-midi à jouer à des trucs débiles, mais. The port is open. That's one. Ok, donc maintenant je fais la chasse aux interrupteurs. Je vais suivre ce fil bêtement. Je pense que je vais avoir un problème. Parce que l'instant est opportun pour me faire une misère. Alors, maintenant, il faut que j'en trouve un autre. Je vais essayer de prendre ce côté-là.
Tout est long dans ce jeu, tout est très très long. Y compris votre propre démarche, quoi, c'est un peu chiant. Alors celui-là ça marche pas terrible, celui-là ça marche pas terrible, qu'est-ce qu'il me reste comme fil? Quatre inters à trouver. Recherche design. Looks like I've got some company up ahead. Without some kind of weapon, I don't stand a chance. There's gotta be a way around them. Qu'est-ce que je vais faire de ça? Surtout que je vois pas trop ce que je dois choper. Un interrupteur, je présume, mais. Je ne vois même pas cet interrupteur. Alors moi je vais descendre par cet escalier, donc mieux vaudrait pour moi qu'il soit vert, 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 vert. Je vais essayer de les envoyer à droite. La feinte absolument extraordinaire a marché. Pleure pas. Ça va? Allez, t'aurais pas vu un, comment dirais-je, un inter? Non? Le créateur nous a menti. That's two. Et le deux. D'accord, donc on passe allègrement du monde des cartoons au monde des animatroniques possédés, quoi. Bon. Alors, faut que j'attire les oeufs de l'autre côté parce que je pense qu'un interrupteur, il y en aura peut-être un à droite. Vous me l'achetez? On les entend bien, hein. C'est pas très très fin, mais ça a fonctionné, c'est ce qui compte. Hein. Alors du coup, je sais pas ce que ça a ouvert, mais ça a sûrement ouvert un truc. Bouge, 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 bouge.
Alors, j'ai deux inters de plus et apparemment toute cette salle, je l'ai épuisée, donc ça devrait que super bien se passer. Vous êtes d'accord avec moi, les amis? Oui, ça va super bien se passer, regardez. Ok. Il y a juste que j'anticipe le fait qu'il me manque un interrupteur et ça va être terrible. Ah, mais il en fallait deux pour cette partie-là. C'est dégueulasse. Ça va être long, pénible, douloureux, je sens. Alors, est-ce que ça m'aurait ouvert un autre accès? Recherche et design, j'en reviens. Soit. Les jeux ici, je les ai pratiqués. Quoique, peut-être pas celui-là. Soit. On va se faire une petite save. Always on time. Ça mange pas de pain. Stunter, il est check. Les deux autres, ils sont check. Qu'est-ce que j'aurais pu oublier qui n'est pas check? Recherche design, c'est fait. Et donc, il faut que je continue de ratisser par là-bas. Mais ce n'est pas ouvert. Et par là-bas, il y a une autre issue. Mais elle est toujours pas ouverte, elle non plus. Et je suis malheureux, je vais pleurer. Je vais faire un caprice en plein milieu de cette salle. La maintenance ne veut pas m'ouvrir les papattes. Quel gros dommage. Et cette autre salle était close aussi. Et ça m'étonnerait qu'elle soit ouverte par un miracle quelconque. Alors me voilà coincé. Est-ce que j'aurais oublié quelque chose dans une salle? Non, c'est ouvert. Magnifique. Je crois que je suis pas tout seul. Je dois aller où moi? Jamais très explicite, hein. Et j'ai toujours pas trouvé d'inter. Thank you.
Ça ne fait rien. Je pitche pas trop du coup. J'ai pas de projectile à lui lancer, il a rien d'évident qu'on puisse actionner. Il est un poil vénère. Je vois pas les hommages. En plus, j'ai rien en surbrillance qui me permet de faire l'indice. Aucune arme, aucune surbrillance. Ce serait quoi? Oh putain, une hache. Ça va barder. De moins. Je me doutais qu'il fallait pas rester au mieux. Oh, il me reste un boulon à faire sauter et... Chop chop. Éveille-toi. Je cours à deux à l'heure, c'est dramatique. Je les aurai jamais. Mais non. Assis dans la gueule. Te voilà démantibulé, sale machin. Ils sont malins là. Eh ben dites donc d'aventure là. Chercher l'entrepôt. Ceci dit, ça ne m'a pas ramené un nouvel interrupteur. Loin de là.
J'ai eu le privilège de perdre de la vie, mais c'est tout ce que j'ai eu. Hop, 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 hop. Petit cachetier. That makes three. One to go. Un dernier, c'est bon. Oui. Where is le dernier, amigo? Eh ben, il est dans la grande salle, la dernière porte qui était verrouillée, il me semble. Allez, go, go, cours! Bah, je cours, je cours, je fais que ça, regardez. Oui, je cours décontracté, quoi. Je cours comme si j'avais un jogging. Comme les gens qui s'habillent pour les cosplays de Star Trek. Faut que j'arrête de me moquer des gens, des Trekkies. Mais très honnêtement, qui arrive à ne pas se moquer des Trekkies? Je pose la question. Et le DH, il est là-bas. Là-bas, 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 là. Non, pas ce là-bas, l'autre là-bas. Non, pas ce là-bas non plus, l'autre là-bas, là-bas. D'où je viens? Non, pas vraiment, mais... Voilà. Si je retourne d'où je viens, vous allez m'entendre. Non, vous ne m'entendrez pas. Alors ça c'est mort, ça c'est mort. Non, c'est pas mort, mais c'est tout comme. Hein. Elle est où ma dernière salle? C'est là? Yes, but no, bah, je l'ai déjà faite. It's not possible, my friand. Elle était juste là en douille. Chou-chou! Alors, on va avoir un nouvel ami à vapeur. Ça fait envie. Oh putain, le caméraman. Où qu'il est? Où qu'il est? On n'a pas commencé, gars. Je suis caché. Ah bah maintenant, moi, je fais pareil. On m'attaque de suite, je me cache de suite. J'ai pas l'intention de me laisser emmerder. On va attendre qu'il s'éloigne un poil. Et j'utilisais ma technique de je te suis, qui est imparable, ou presque. Allez, sois zen. Tu le suis. Il y a peu de chances qu'il revienne sur ses pas. Clic, lock. Clic, clic, lock. Tiki tiki bloc. Magneto, Serge. Ah, je peux pas monter sur l'escalier. Il vient droit sur. Oh, c'est pas sur moi qu'il vient, je crois. Ah, avance. Oh, active ça. Ça ne s'active pas. On m'a menti. On m'a totalement menti. On va calmer l'ambiance, je vais me ranger dans mon placard gentiment. Et tout va bien se passer. On n'est jamais aussi bien que dans son placard. Alors pourquoi il y avait un interrupteur en bas que j'ai pas pu activer? Ça m'a énervé. Oui bah je joue au con, hein, j'aime bien. Surtout quand les scripts sont pas si intelligents que ça. Ce serait moche de pas en profiter. Alors, j'ai un inter à droite. Va pas à droite! Va pas à droite! C'est bien. C'est bien ce que tu fais. Clic, bloc, clic, bloc. Pourquoi j'ai pas pu activer ce damné interrupteur, moi? Oh putain!
Il viendra sur toi. Il va réguler ton espèce. Pourquoi tu prends une petite voix comme ça? Je sais pas. Il y a un escalier là, je voulais le prendre. Tu vas enfin pouvoir le prendre. Oui, bah essaye de prendre une voix plus sensée déjà. Ouais, mais je fais ce que je peux, mon gars. Et tu cours, 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 c'est ta façon d'aimer. Ça va, il est loin. Je gère. Je gère de loin. Mais il cavale, hein, le bout. Qu'est-ce que c'est? Et donc, non, et donc, maintenant, où tu te cours. Oh putain. Il est là, mon inter. Il est là, mon inter. Mon inter, il est là. Il est là, il est là. Oui, mais il vient droit sur toi. Ah, ne régule pas, mon espèce. Je suis trop choupi. Il fait nuit. Oh, c'était pour faire une photo. Ok. Bon, ça veut dire que j'ai tous mes inters maintenant. J'ai plus qu'à ressortir et ça va super bien se passer. Oui, c'est important que ça se passe super bien. Surtout quand je suis dans une position inconfortable. Non, je n'ai pas dit à l'arrière d'un minivan. Et ça, les gens qui suivent l'émission savent à quoi je fais référence, les coquins. Bon, apparemment, l'autre, il s'est barré. Ok. Gueule! DTC! Non mais honnêtement. Combat d'infirme! Bah le projectionniste il a pas fait long feu. Hein. Je sais pas si je dois te dire merci toi. Parce que du coup tu m'as arrangé sur ce coup là mais. Ça veut dire qu'après, on va avoir des gros soucis. Il me faudra un café. Infirmière, tu peux me... Ah ben le dimanche, elle bosse pas, merde. Et j'ai pas de viewers, sinon j'aurais envoyé des viewers me faire un café. Alors, on se débarrasse de ce dernier inter. Ouais. Tu es sûr? Ouais. Tu en as vraiment envie? Ouais. Tu sais ce que tu fais? Non. Mais tu vas quand même le faire. Ah que ouais. Sauver Boris. Boris. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va m'arriver encore? Ça sent le gros pas sympa du tout. Il est où le zouave qui était suspendu par là-haut? Hein? Et pourquoi je pose des questions? Bah, parce que c'est naturel. Et que je n'ai aucune idée de ce que je fais ici. Du coup, je vais où pour sauver Boris, les gars? Bon, là, j'ai mon équipe de bras cassés. Non, non, je ne tendrai pas d'œil. On va se faire un petit coup de train fantôme. It's a funny thing, how so much can fall apart so fast. We never really had control of the studio. Either you were in someone's pocket, or you were putting someone into yours. I just wanted what was promised to me. I just wanted to be Boris! Beautiful. Ne te laisse pas faire. Surely you can understand that. Henry, why are you here? Bah, je vais chercher mon pote Boris. We're all dying to find out. Do you just enjoy the terror of the drop into hell? Because if that's the case, hang on tight. I've got a surprise.
T'as pas l'air très gentille, Angèle, en fait. Mais bon, ça, on s'en était déjà douté. Je suis arrivé. Je peux descendre. Je peux aller acheter de la barbe à papa. Je peux aller acheter de la barbe à maman. Je vais me faire un petit heure d'orgue. Ça va être pas piqué des hannetons, mes amas, je vous le dis. Qu'est-ce qu'on fait de beau du coup ici? Je ne peux pas descendre, je ne peux pas bouger, je ne peux rien faire. Je suis condamné à rester dans ce train fantôme. Oh oh. Boris. Oh no, what has she done to you? Boris, faut que tu m'aides. Non. Où qu'il est? Où le vilain Boris? Boris, on était amis. Souviens-toi. Tu vas faire quelque chose que tu vas regretter. La bonne, ça a deux valeurs en plus. Oh putain! Qu'est-ce qui se passe, mon Boris? T'as l'air tout pas bien! Welcome to Be Friends! Je peux même pas jouer un air d'orgue. Vas-y Boris, fonce, elle est pour toi. Again. Bah, tu vas te faire toutes les boîtes, hein, je te dis, mon pote. Oh, oh le vilain Boris. Toujours rien à faire avec ce truc. Oh putain. Qu'est-ce que je dois fabriquer? Ah oui, 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 oui. Marche, fonctionne. Ah. Alors, il me manque un truc pour activer cette machine, mais... Boris, souviens-toi, on était amis. Tu ne peux pas avoir oublié ce moment de franche et intense camaraderie. Oui, gros, moi aussi, gros. Allez, mon bobo. Oh, lui, mon bobo. C'est les derniers, là. Oh. Ah, j'ai bougé mais un peu tard. Alors maintenant que le terrain est dégagé, on devrait pouvoir voir ce qui se passe. But no way. Vas-y Boris, prends de l'élan. Encore. Allez. T'as même pas réussi à casser la statue, c'est honteux. Bon, alors là, je suis coincé comme une andouille parce que je vois vraiment pas ce qu'on peut faire. Je voudrais bien taper sur Boris, mais je n'arrive pas à déclencher la machine qui me ferait
Bah, de quoi lui taper sur la gueule. Et du coup, je suis super malheureux. Mais alors, malheureux, vous avez pas idée. Je regardais si je pouvais pas te prendre un truc quand tu saignes comme ça, mais ah, ça, voilà, c'était ça que je voulais. Ramasse! Bien senti celui-là. Je l'ai bien senti, mais vraiment. Ah non! Non! Dans qui je me réveille encore? Jean-Pierre, c'est toi? Jean-Pierre! Ne mets pas ton doigt si ça démange, je sors. Oui, c'est Jean-Pierre, ça, ça se reconnaît à la rugosité. On y go. J'y crois. À fond. Il est où? Senti celui-là. Donne-moi du schnougle, voilà. Ça y est, je l'ai. Je me barre. Tu n'as aucun humour. Boris, faut que tu arrêtes ça. Boris, tu vas le regretter, je te le dis. Rappelle-toi. Ça a mal se passer pour toi, Boris. Je suis heureux de te le dire, mais... On était amis, mais là, c'est plus possible. Oui, greux, moi aussi. Boris, qu'est-ce que t'as fait? Oh, c'est moi qui tape, là. Oh, j'ai déjà perdu ma clé. Hop, il me fait un truc de salopard. Bien vu! Je vais crever avant même d'avoir pu terminer ce que j'avais compris. Et je me réveille dans Jean-Pierre encore. Mais cette fois, vu que j'ai tout compris, j'ai une parfaite maîtrise de ce qui va se passer. Tout va être tranquille et paisible. Boris! Bah alors, mon choupinet, que se passe-t-il? Greux, je sens que tu vas me cogner dessus, je sais pas pourquoi. Vous savez quoi les amis? C'est moyen drôle. C'est très moyen drôle. Parce qu'il n'y a rien de pire que de savoir ce qu'on doit faire et de pas pouvoir le faire. Et je sais pas comment je fais apparaître le petit boudon que je fais tomber de Boris, qui me permet d'être quand même relativement cool. Boris. Ah, voilà ce que je cherchais. M'occuper de ça. Hop, allez nous la gauche. What? Des piles sur ma clé à molette, man. C'est pas cool. Les amis ne font pas ça. Allez, viens. Non! Bah, au moins j'en aurai une de près. Boris, viens dans le coin. Voilà. Tac, il tape, hein. Il
fais pas semblant, ce fumier. Non, c'est moche ce que tu fais, Boris. Ce n'est pas toi. Un garçon sage et gentil comme toi. Je suis très déçu. Non, au moment où je faisais apparaître ma deuxième clé. Et le téléphone s'y met. Vous savez ce qui va se passer? Vous savez très bien ce qui va se passer. Je vais ajouter le bout qui manque après cet enregistrement, une fois que j'aurai passé le combat avec Boris, qui risque d'être lamentable. Vous me l'achetez? Allez, on fait comme ça. Regardez bien le bout du tunnel, il va se passer quelque chose. Un truc sombre risque d'apparaître. Comment ça, je spoil? Non, pas du tout. Si on ne se revoit pas, je vous donne rendez-vous demain à 19h pour la suite. Adieu les amis!